Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Division sur PC, toujours tout seul. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez le vent parce que moi oui. Et on va tout de suite commencer la zone Gramercy. Donc on va la faire dans cette vidéo bien entendu. C'est une zone 16-18 mais je suis niveau 20, bientôt 21, tranquille. Donc pour vous montrer aussi, j'ai une belle arme là, celle-ci que j'ai craftée tout à l'heure. Hein. Un pistolet mitrailleur. Bon, malheureusement j'ai pas assez de compétences dans les autres pour pouvoir les améliorer, du coup bah on est full de dégâts, mais enfin on a plus de vie que la dernière fois quand même et on est à 21k de DPS. Les plus anciens d'entre vous se rappellent sans doute de l'exercice Darkwinter. Les libéraux avaient essayé de simuler une crise de ce genre. Et bah, il se trouve qu'ils avaient vu juste dans la plupart des cas. D'ailleurs, c'est suite à ça que la directive 51 avait été rédigée, comme quoi ça avait pas servi à rien. Ah, attention, élément hostile en approche. Où est-ce qu'il est ? Allez là. Protégeons les ravitaillements. Voilà, un pistolet mitrailleur. Fait beaucoup de dégâts et j'aime ça. Il faut qu'il se rapproche, sinon je fais pas beaucoup de dégâts. Attention, ravitaillement sous feu ennemi. Attention, élément hostile en approche. Ok. Ouais, on a découvert une nouvelle zone, c'est bien. Merde, c'est pas par là. Ah là là. C'est vrai, c'est par là. C'est vrai, c'est par là. Eh ben, on va se... tu vas calmer ton langage, d'accord? Attention, élément hostile en approche. Oh, du bleu. Par contre, ce qui est vraiment chiant, un gros défaut du jeu, c'est bah. Certes, ça peut être un MMO, mais bon. Enfin, un RPG, mais bon, quand même. Que faire que quelques quêtes et tout faire répéter, après, c'est pas. C'est pas la meilleure chose, quoi. Ce qui est bien avec ce pistolet mitrailleur, c'est qu'il augmente les dégâts. Les chances de critique de 20%. C'est très bien. Attendez. Ah, GG niveau 21. Ah, je sais plus ce que je fais. Je suis perdu. Qu'est-ce que je cherchais à faire? Là, ça m'a dit quoi? J'ai 40 places. Si j'équipe ça, j'ai combien de places? 40. Ah. 20 000 de DPS, ça devrait être suffisant. On va le déséquiper, on va l'équiper sur un autre, sur celui-là. Donc à 17, non, ça c'est bon. Donc normalement, ouais, y en a un des deux qui est activé. Ça c'est OP, ça augmente les dégâts de 5%. Non, les probabilités de tir critique de 5% quand je suis full vie. Donc ça fait 25% en plus au lieu de 20. Voilà, je suis pas dans la bonne zone par contre. Voilà, il faut que j'entende par là-bas.
Bon, donc sinon j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, hein. Moi en tout cas ça va très très bien. Donc dans cette vidéo non plus pas de grande mission de technique, enfin technologie, de sécurité ou de médical. Ce sera dans la prochaine vidéo. Fait longtemps qu'on n'en a pas vu des personnes avec les battes. Hein. C'est plaisir d'en revoir un peu. T'es sur rien du tout, ouais. Attention, force hostile en approche. Attention, engin explosif improvisé détecté. Ouais, rapproche-toi. Voilà. 17 secondes. Attention, engin explosif improvisé détecté. What? Oh, ça c'est un allié. Il me reste combien? 2, 4, 6. Ah si, il y en aura une dans cette vidéo. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Il y aura une technique, une technologie que je ne sais plus si c'est. Je sais plus c'est lequel des deux. Attendez que je regarde. C'est techno. Ouais, technologie dans ce cas-là. My bad. Mon Dieu, t'as parlé avec quelqu'un, oh là là, tu l'as trompé. Bon.
secourir le VIP. Oh oh. Plus beaucoup de munitions par contre. Montre ta tête, s'il te plaît. Il n'y a pas de caisse de ravitaillement, hein, c'est insane. Attends-moi, sinon je pourrais pas te parler. Allez, ouais, je suis en train de filmer, je peux poser la question. C'est peut-être enfin nous dropper autre chose que du bleu maintenant. Dites pas que c'est à partir du niveau 25. Je sais pas. Non, il va pas l'air d'être mieux. Vous pouvez être là à chaque combat. Et bonne chance surtout. Des munitions. En haut, d'accord. Les missions secondaires commencent à devenir un peu plus longues à chaque fois. Hein. Moi ça me dérange pas, hein. Ça fait juste des vidéos un peu plus longues du coup. Je vais essayer de tenir le jeu ce soir. Bon j'ai encore 8-9 heures devant moi mais bon. Oh mais qu'est-ce que tu fais là toi? J'ai changé d'équipement, je prends moins de dégâts. Enfin, si je prends plus de dégâts, mais j'ai beaucoup plus de vie aussi. J'ai deux fois plus de vie, hein, du coup. Hein. Du coup, je peux me permettre. Enfin, je crois que j'ai deux fois plus de vie, hein, peut-être même plus. Ah oui, bon, j'ai 10k de vie en plus. Hein. Complètement fou, c'est insane, voyons. Pièces d'armes.
Ravitaillement, ouais. Voilà. Waouh, vous avez réussi. Les habitants du quartier vont vous adorer, vous savez. 7, ok. On va accélérer un petit peu le pas quand même. Je sais vraiment toujours pas ce que c'est le chiffre en dessous des munitions. Ça me rend perplexe. C'est sur le toit. Alerte, communication radio GTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des tirs à nous repérer. Si quelqu'un de la GTF entend ce message, répondez. Aïe. Plus vraiment, non. C'est nous qui ne sommes plus nombreux que vous. Ah, Vin Diesel, tu vas te taire, oui. Vin Diesel, tais-toi, s'il te plaît. Ta tête. Ta tête, j'ai dit. Voilà. Désolé pour le bruit sur le micro. Voilà. J'ai vu qu'on pouvait entrer dans un bâtiment, il devait être là-dedans, l'appel téléphonique, on va aller le chercher, ça fera un moins de faire plus tard. Je devrais tous les chercher hors vidéo. Voilà, ici. Ah bah non, il est pas là. Ah, à moins que... Ouais, non, c'est pas là. M'y suis trop cru.
Donc allons au checkpoint. Bientôt niveau 22, hein. Ça va, ça commence à XP. On fait un niveau et demi par vidéo, donc ouais. Bon, allez, dans 6 vidéos, c'est bon, on a fini le jeu. Enfin, le jeu. Je parle de la zone normale, bien sûr. Je pense que j'aurai assez de place pour tout filmer. D'une traite, bien sûr. On demande de l'aide. Renfort JTF demandé. Attention, force hostile en approche. What? Déjà? C'est un bug ça? Ok, on l'a fait assez rapidement. Hein. Attention, force hostile en approche. Ils sont buggés. No problem. J'espère juste que je vais trouver des munitions sur la route, ce qui m'étonnerait franchement. Franchement, pour la neige, c'est bien fait là, la neige qui se dépose sur nos vêtements. Bon, ben, ils ont pu peut-être un peu mieux faire, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Un petit plus. Sniper. Bonjour. Serait-il en haut? Ah ah. Aïe. Allez, on continue.
Montre-toi. Voilà. Montre ta toute petite tête. Voilà. Go à la partie 2. On ramasse son équipement, bien sûr. Hein. Je sais pas pourquoi je suis à 40 places. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je suis censé être plus que ça. Je suis censé être à... je sais plus combien. Mais un nombre bien plus grand que ça. Un magnum. Alors, celui-là il me pourrait être plus utile plus tard. Comment ça se fait? Ça doit être juste un bug, je pense. À moins que... Non, je crois que c'était ça, mais non. Comment ça se fait? C'est bizarre. C'est pas grave, hein. Ce n'est point grave. J'ai juste quelques places en moins. Je te permets pas. Ah, les lags. Le serveur est en train de laguer. C'est bon. Alors c'est soit le serveur, soit moi qui laguais. Hein. L'un des deux. Les deux sont probables, mais... Allez, niveau 22, là. Donc il y en a 3, donc c'est en 3 parties cette mission. Voilà, 5 sur 24 des guides de survie, il y en a beaucoup et je sais pas où ils sont.
passer sur les toits tout aussi rapide. Hein. Ah bah je reviens en arrière là. Comment prendre des dégâts inutilement? Ouais, c'est ça, waf waf. Non. Oh là là. On approche de votre position. Attention, force hostile en approche. Si vous n'étiez pas venu, ça se serait passé autrement. Oui, vas-y, explique ta pensée, comment ce serait passé autrement. Hein, 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 vas-y, vas-y, raconte, raconte. Je déconne. Ah là 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 là. Ils font bien mal ceux-là, ces types d'ennemis. Attention, force hostile en approche. Mes yeux, merci. Secondes à tenir. Bon, je fais cette mission sans vraiment le vouloir, mais bon, que je me suis rapproché un peu trop. Si je serais parti, ça aurait fait échec de la mission. Et j'aurais dû attendre pour la faire. Autant la faire maintenant. Et en regardant. Plus munitions bientôt. J'ai pas oublié d'objet bleu là-bas. Non. Alors, il va falloir que je trouve pourquoi j'ai moins d'emplacement d'inventaire. Hein, parce que. En perdre 10, c'est chiant quoi.
représente un bon paquet de virus morts, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comme dirait-elle. Ouah, toutes les armes à détruire, à vendre, etc. Ça va être bien, ça. Ouais, mais moi, je suis pas, passé par le même endroit. Je vais le terminer. Je veux ce rapport. Peu importe quand, je l'aurai. Oui, ça va. Dans une vingtaine de minutes, ça fera une heure, quoi. Du coup, on sera à peu près à... quoi, 1h10 pour avoir fini la zone entière. Quand il y aura une zone avec deux missions, s'il y a 10 missions annexes aussi, ça va être insane. Quoi ? Vous êtes avec les méchants maintenant ? Eh oui, je suis un méchant. T'as pas vu venir, celle-là, hein ? Avec un peu de cœur. Hey, écoute, faut qu'on organise un genre de show. Donc, il nous reste deux missions annexes de sécurité et la mission principale de technologie. Après, nous nous arrêterons là pour cette vidéo et nous aurons bien avancé, je trouve. Comme dans chaque vidéo, on avance petit à petit, mais on avance quand même. Pas de quoi. Ça me fait plaisir. Là, je suis tellement pressé d'être au 12 avril, je crois, pour Dark Souls. On leur a ouvert les portes. Eh ouais. Mais non, mais assez, assez. Non, en fait, j'espère vraiment avoir ma première arme violette avant le niveau 30. Hein. Pas aux violettes, jaune. J'espère qu'il réfléchira deux fois avant d'attaquer une partie de la GTR. Vous êtes avec nous. Attention, force hostile en approche. C'est les tarés en approche. Attention, ils ont une dent contre nous. Ah oui, après j'ai vite fait désactiver quelque chose, hein. Donc je ferai une petite ellipse. Hein. Ramasse ça.
J'en reviens vite fait une petite ellipse. Et me revoici, désolé pour cette petite ellipse. Ok. 33 sur 40. Ça c'est une mission niveau combien? Niveau 20, celle-là elle est niveau 16, ouais. Puis ensuite dans la prochaine vidéo c'est The Ward ici, j'avais complètement zappé cette zone. Je l'avais pourvu. Donc attaquer la forteresse, je pense que j'ai assez de munitions. J'espère que je vais pouvoir up rien qu'avec la mission qu'on va faire juste à l'instant. Ce serait bien. Ce serait très très bien. Attention, place forte ennemie potentielle identifiée. Tête, mes balles. Faut que j'entre? D'accord. Oh, il arrive. J'ai pas envie. Je me répète, mais j'ai pas envie. Sécurité JTF notifiée. Là, il y avait un réveil qui sonnait dans le jeu, bien sûr, hein, pendant ma vraie vie. Not in real life. In game. Il est où? Il est en dessous. Salut mon amour. Désolée qu'on puisse pas se parler directement. Écoute, je sais pas ce qu'ils vous racontent, mais dehors ça commence à être vraiment la pagaille. Il y a plein de gens malades, avoir de grippe ou je sais pas quoi, et il y a plein de gens qui meurent. J'ai peur, chérie. Tu me manques, tu sais. Seulement je pouvais entendre ta voix. N'en veux pas, s'il te plaît, je peux juste pas gagner la sorte avant que tout ça soit terminé. Tu sais à quel point elle est fragile. J'ai peur pour elle. Bon. Je reconnais pas ce type de signal. On a reçu le signal du transpondeur d'un agent de la première vague. Il semble venir du bâtiment principal de l'académie de police. Chaque fois qu'on détecte un signal Shade, on doit vérifier d'où il provient. Et si l'agent qui l'a envoyé est encore en vie, c'est un sacré bonus. Bien entendu, l'agent est peut-être déjà mort. Mais si vous découvrez pourquoi ce matériel de la première vague est là-bas, et ce qui est arrivé à l'agent, ça nous aidera à analyser la situation. Ok, chef. On va vider un peu notre inventaire pour faire un peu de place. Tout ce qui est inférieur au niveau 17. Sortir le mode, on le fait ici.
Et on démantèle. Et voilà. Donc on a de la place. Ouais, donc avec la mission de l'académie de police, ça fera une heure. Merci de vous être arrêté. Hey, c'est pas moi qu'il faut viser. On va essayer de chercher quelques petites personnes. On va attendre un petit peu, genre une minute, et s'il y a personne, pas grave. S'il y a des gens, tant mieux. Enfin, tant mieux. Pas vraiment. Car ils ont pas vraiment de DPS. À ce niveau-là, ils ont pas grand-chose. Ah, niveau 23, bah d'accord. Niveau 20. Une dernière personne. Non. Ah si. Ok, ok. Par contre, on va couper leur micro. Paramètres. Audio. Volume du groupe, on va le mettre assez bas. Volume de proximité, pas trop haut. Un signal provenant de l'intérieur de l'académie. C'est le shade d'un agent de la première vague. Et ça continue d'émettre. Donc on les attend. Et il est tout seul. On est que deux? Non, on n'est pas que deux dans les squads. Oh, si. Il a déjà avancé lui. Le serveur serait-il en PLS? Ah. Caisse de munitions à l'intérieur. Bon, sinon rejoint tant mieux, sinon tant pis. On commence à avancer sans lui. Ah, il est là. Attention, élément hostile en approche. Commence à avoir des nouveaux ennemis. Alors ils ont un nouvel équipement, je ne sais point. Des soldats du LMB, c'est plus que louche. Faites votre possible pour retrouver l'agent disparu, mais soyez sur vos gardes. C'est un piège, il n'y a aucun doute. Avec ses petites lunettes rondes.
porte verrouillée, découverte, tout ça là-bas. On va l'ouvrir. Oui, pourquoi pas. Non, en fait, c'est juste un bug, je pense qu'il faut que je redémarre le jeu, mais... J'ai pas trop envie, en fait. Oui, je sais ce que je viens de dire, là. Il ne fait rien dire, mais c'est pas grave. Allez, on vient de gagner 2 KDPS. Oh, il y a plein de choses à ramasser ici. Bon, comme il avance un petit peu sans moi, moi je fouille un petit peu. Allez. Next. On a de la compagnie. C'était quoi ça? Hey, vous pouvez encore vous tirer. Nice. Ah ouais, il joue pas trop mal. Oula. Voilà. Cette arme est vraiment très puissante, hein, ce pistolet mitrailleur. Même si c'est plus un Hawk qu'un pistolet mitrailleur, mais... Enfin bon, après... Je veux dire, ouais, mais le Hawk c'est un pistolet mitrailleur, donc c'est un pistolet mitrailleur. Oui, d'accord, hein. Mais pour moi, c'est pas un pistolet mitrailleur, vu la puissance. Agent, vous êtes à proximité d'un écho. Écho, écho.
te donne une chance de travailler avec moi. Et toi, tu essaies de me dénoncer. Bordel, t'es pas obligé de faire ça. T'es devenu cinglé, faut que tu te fasses soigner. Je dirais pas que c'est très malin de traiter un type armé de cinglé. En tout cas, moi, je me sens tout à fait sain d'esprit. Deux secondes. Je termine et j'arrive. Non, c'est pas possible. La vidéo montre des agents de la division abandonnant leur poste, se tuant les uns les autres. Non, c'est pas... Non, non. Bon, concentrons-nous sur la mission. Il semblerait que le matériel SHD utilisé pour créer cet écho ait été piraté. Je n'arrive pas à identifier l'agent. S'il y a un central de sécurité dans les environs, on aura peut-être une chance d'y arriver. Enfin, si je parviens à accéder aux enregistrements vidéo et qu'ils n'ont pas été effacés. Téléchargement de données de sécurité archivé. Attention, vous allez avoir de la compagnie. Téléchargement terminé. Début du transfert. Je détecte des agents de la première vague à côté de vous, mais ils ne répondent pas à mes appels. C'est pas normal. Attention, à couvert. Ta tête, mon cher. L'épouvantail, il s'appelle. Tout ce que vous avez trouvé, c'est pas bon signe. Des agents qui en affrontent d'autres, qui abandonnent leur mission. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. Et vous allez devoir faire encore plus attention maintenant. Je crois que vous avez attiré l'attention sur vous. Malheureusement. Est-ce qu'on a tout ramassé? J'ai l'impression, oui. Ah! J'ai vu quelque chose là. Non, à l'extérieur. Vous êtes proche d'un écho lisible. Là-bas, là-bas. Comment on y accède? Vous allez pas le croire. Ce type est encore plus nihiliste que moi. Monsieur Rhodes,
Laissons l'agent se faire sa propre idée en regardant la vidéo, d'accord? Ça a de quoi laisser perplexe, je vous l'accorde. Regardons la vidéo. J'arrive pas à croire ce qui s'est passé à la fin dans la Dark Zone. Je sais, on les tenait. J'avais raison depuis le début, mais ils nous ont obligé à nous retirer. Et on a laissé nos morts sur place. Ouais, ça non plus, fallait pas le faire. Attendez une seconde. Écoutez, on n'abandonne pas les gens comme ça. On est là, c'est justement pour que les habitants de la ville sachent qu'on les a pas abandonnés. Mais les types pour qui on bosse sont prêts à nous lâcher à la première complication. Écoute, je suis pas forcément d'accord avec les décisions qui sont prises, mais moi ce que je dis, c'est que c'est eux qu'il faut abandonner. Leur modèle ne marche plus. Si on joue bien notre coup, on peut disparaître avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on en crève tous. Mais c'est de la trahison. C'est du bon sens, putain! Regardez autour de vous, y a plus rien à sauver! La JTF essaie désespérément de sauver un Manhattan qui n'existe plus. Tout ce qui compte maintenant, c'est le pouvoir. Le pouvoir et la survie. Eux, ils sont foutus, mais pas moi. Et vous non plus. Pas si on bosse ensemble. Ok. Bon, je sais pas comment atteindre là-bas, mais c'est pas grave. Ok, ok. On est à l'antenne radio, mais il y a des Rikers partout. Donc là-bas, je vais juste aller chercher la planque, comme ça j'aurai pas à la rechercher plus tard. Puis ensuite, on retournera dans l'autre planque et on s'arrêtera là. Il a fait la même chose que moi. Donc merci l'ami. Mais je quitte le groupe. Ah bah. Il a fait exactement ce que je voulais faire. Bon bah du coup. Comment ça un combat? Ah non, je suis pas en combat moi. Moi je joue au courant. Mais c'est une blague ce décalage. Ça me dérange qu'il y ait autant de trucs. Enfin, autant de coffres que j'ai pas pu trop ou pas ouvert, mais. On va faire ça, hein. Ok, donc on se dirige à Gramercy. Puis ensuite, on s'arrêtera là et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Qui sera. À la droite de cette zone-ci, j'ai oublié son nom. Qui risque d'être une très grande zone. D'ailleurs là, avec cette mission que je viens de faire, je vais pouvoir enfin améliorer l'aile technologique avec le bâtiment à 1000 de ressources qui va me donner une compétence ultime qui va être très très intéressante, qui va augmenter mes dégâts. Encore plus de dégâts, encore et toujours. Non, pas vraiment. Merci, vraiment. Vous avez fait tellement pour ce quartier. Une inspiration pour nous tous. Merci, merci à toi. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous ferons Stuyvesant. Donc, passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!